se mettent en mouvement, ils se mettent en route. Mais en tout cas, Alexandre Lacazette. Et bien présent, comme Corentin Tolisso. J'étais en train de regarder un petit peu tout le monde. Saïd Benrahma. Alors, à moins que je me trompe, mais je ne vois pas Nemanja Matic, par exemple, qui doit faire partie des joueurs qui restent aux soins. C'est souvent le cas, il n'y a pas d'inquiétude. Hein. C'est souvent le cas, en tout cas, que certains joueurs restent en soins, comme ça, sur des reprises, le lendemain ou le surlendemain d'un match. Mais en tout cas, il y a une grosse présence. Il manque Nemanja Matic et j'ai l'impression qu'il manque aussi Nicolas Tagliafico sur ces images. Et vous voyez, on commence par un jeu, donc un circuit plus exactement de passes pour activer un peu les corps. Et les gardiens en font partie. Puisqu'on parle de gardien, Rémi Vercoutre est là, bien sûr. Vous ne le voyez pas pour l'instant sur les images. Parce que Rémi Vercoutre, on va essayer avec Mickaël Mouton qui est avec nous, qui nous propose tout ce que... Cinquième et dernière fois, enfin dernière fois pour l'instant. On espère que ça va changer et qu'il y en aura une autre qu'on pourra mettre à notre palmarès aussi. La Coupe de France 2024, ça ce sera samedi à 21h. La réponse, ou en tout cas le coup d'envoi, la réponse on l'aura à 23h, peut-être au plus s'il y a prolongation, s'il y a tir au but. On vous préparera hein, d'ailleurs beaucoup de retours sur la Coupe de France 2012 toute cette semaine dans OL Night System sur OL Play, tous les jours à 18h. Et puis les dernières infos bien sûr, et puis samedi, soyez bien avec nous sur OL Play et sur la chaîne YouTube de l'OL. On sera en direct à partir de midi jusqu'à minuit. On va faire 12 heures de direct grâce aux médias de l'Olympique Lyonnais. On reviendra, on préparera évidemment les deux finales, hein, celle des filles à 18h contre Barcelone, celle des garçons à 21h contre le Paris Saint-Germain. On fera des retours sur les victoires des filles qui avaient déjà battu Barcelone en finale de la Ligue des Champions en 2022, il y a 2 ans. On fera un retour sur la finale de la Coupe de France gagnée en 2012. On fera un récap de la saison des filles, un récap de la saison des garçons aussi, avec des images inside, des coulisses, des interviews aussi. On a déjà eu... Corentin Tolisso, on a eu Alexandre Lacazette, on aura d'autres joueurs aussi, des interviews à vous proposer sur le retour sur cette saison incroyable, sur les finales aussi, ils nous expliqueront comment ils préparent leur finale. Corentin Tolisso qui a quand même joué une finale de Coupe du Monde, une finale de Ligue des Champions, une finale de Super Coupe, une finale de Championnat du Monde des Clubs, une finale de Coupe d'Allemagne, enfin bref. Interview passionnante, vraiment très intéressante. Et puis on sera en duplex depuis Bilbao, on sera en duplex depuis Lille avec Yvon Marcelin, on sera en duplex aussi avec Mickaël Mouton qui voyagera avec les supporters et nous fera vivre heure par heure le voyage des supporters. Puis on sera aussi en ville, dans Lyon, pour voir comment la pression et la tension montent toute la journée, toute l'après-midi. Et puis on sera en direct bien sûr du Groupama Stadium parce que vous le savez, il y aura 40 000 personnes dans le stade et avec des écrans géants qui vont retransmettre les deux finales. Les filles à 18h, les garçons à 21h. Ça va être une journée absolument incroyable. Soyez bien avec nous à partir donc de midi samedi sur OL Play et sur la chaîne YouTube de l'Olympique Lyonnais. Tous les supporters de l'OL doivent être avec nous.
dès midi, donc samedi. Allez, je vous laisse vivre un petit peu.
Vous entendez Anthony Lopez tout à l'heure qui a été ovationné par les spectateurs. Maintenant, c'est Lucas Perry. Comme ça, pas de jaloux. Les deux gardiens ont été ovationnés l'un et l'autre. Quand je dis deux, il y a également Matteo Pereira qui est là le troisième gardien depuis la blessure de Justin Bengui. Et vous voyez hein, ce que je vous disais tout à l'heure avec ceux qui sont sur la partie gauche. Le demi-terrain côté gauche, ça, ce sont ceux qui n'ont peu ou pas joué contre Strasbourg dimanche. Puis ceux qui sont sur la partie droite du terrain, ceux qui ont été titulaires contre Strasbourg. On voit Saïd Benrahma, Corentin Tolisso, Ryan Cherki, Maxence Cacré, Alex Lacazette, Douye Keita Tsar, Clinton Mata, Jack O'Brien et puis évidemment Anto Lopez en spécifique avec Rémi Vercoutre. Alors, est-ce que ça va être le même exercice sur les deux équipes? Non. Voilà, l'idée, ça peut être évident, ça va être de mettre le ballon dans le seau. Et puis de l'autre côté, on a un travail, on vous le montrera tout à l'heure dans quelques secondes. On va rester déjà dans un premier temps avec ceux qui ont joué donc contre Strasbourg. Est-ce que Corentin Tolisso et Saïd Benrahma vont y arriver? Non. C'est raté. Ryan Cherki et Maxence Cacré n'y sont pas arrivés non plus. C'est pas évident. Hein. Oui, il est arrivé mais avec la main. Alors je sais pas si ça compte vraiment. Je suis pas sûr que si on marque un but samedi de la main, ça va être accordé. Allez, de nouveau la tentative. Eh oui, c'est dur, hein, c'est dur. C'est ce que dit Corentin Tolisso à Alexandre Lacazette qui commençait à chambrer en disant « Pourquoi vous n'y arrivez pas ?» Et c'est parce que c'est pas si facile. Voilà. Voilà, Corentin Tolisso qui est arrivé de la tête. Jack O'Brien, non, cette fois-ci, c'est raté. On va peut-être passer de l'autre côté sur l'autre exercice avec... Cette fois-ci, exercice avec Daniel Nobren en distributeur, comme un numéro 10. Oh, on a failli arriver sur un beau but de Gifter Bad. Malheureusement, c'est repoussé par la transversale. Là, c'est Enrique qui va se retrouver en face à face avec Matteo Pereira. C'est raté également. Deuxième chance avec le centre d'Ernest Nuama. Ça n'a pas été évident là pour le gaucher Enrique. Pied droit. Et allez, c'est arrêté par l'autre Brésilien, ou l'un des autres Brésiliens, parce qu'il y a également Adrielson. Ah, Aurel Mangala, un but qui ressemble à celui qu'il avait marqué contre Nice. C'était son premier but avec l'OL. Mama Baldé, le centre. Oh, il est gentil, Lucas Pérez. Parce qu'il aurait, en match, là, je pense qu'il aurait pu sortir, plonger, récupérer le ballon. Il laisse Aurel Mangala prendre confiance. Malik Fofana, l'homme qui nous a obtenu le pénalty dans les arrêts de jeu contre Strasbourg. Qui reste sur une belle dynamique, Malik. Il n'a pas réussi à trouver l'ouverture, contrairement à Sinali Diomandé, qui se découvre des... qualité de numéro 9. Ah, le centre raté par Adrielson. Allez, Paul Akoku maintenant. Le premier est dedans. Et l'Ivoirien sur le centre de Sel Koumedi. Ah, bon centre là. Et Paul Akoku qui nous fait un 2 sur 2. Bien joué. Ah, Gift Orban. Un peu trop croisé celle-ci. Le centre de Hensley Maitland-Niles. Le contrôle. Et la frappe, c'était fort, malheureusement c'est repoussé. Par Lucas Perry. Allez, Mama Baldé. Ah, il le maîtrise bien ce geste, Aurel Mangala. Hein, ça ressemblait plus à Clermont, ça. Celui d'avant, c'était plus... voilà, ça aussi, ça c'est exactement le but qu'il a mis à Clermont. Comme quoi, c'était pas de la réussite, c'était pas de la chance, c'était vraiment un talent qu'il a sur les centres en retrait, comme ça, il arrive vraiment bien à claquer le ballon. Ah, et Malik Fofana aussi, c'est bien joué. On en est déjà à 25 minutes environ d'entraînement. Il devrait rester environ une dizaine de minutes alors que Anthony Lopez
a terminé son spécifique avec Rémi Vercoutre. Il va venir là, peut-être prendre la place de Lucas Perry, on va voir. Et Lucas Perry qui va lui partir en spécifique avec Rémi Vercoutre. Maintenant, je vous rappelle qu'on ne sait toujours pas qui va jouer cette finale de Coupe de France entre Lucas Perry et Anthony Lopez. Pour l'instant, Pierre Sage ménage le suspense. On va repasser sur le côté droit là parce que il y avait une course. Bah voilà, ça a été gagné par les jaunes. Le temps qu'on arrive à faire le tour, on va peut-être également avoir droit à la revanche. Voilà, il y a Maxence Cacré, Jack O'Brien, Clinton Mataï, Ryan Cherki contre Saïd Benrahma, Douye Keïta Tsar, Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso. Quoi que le ballon tombe, évidemment, sinon vous repartez au départ. Pour l'instant, les Blancs ont un léger avantage. Est-ce qu'Alexandre Lacazette va finir Saïd Benrahma? Oui. Alors, j'ai peut-être pas tout vu, mais de ce que j'ai vu, il y a un partout entre les deux groupes. Anthony Lopez, pendant ce temps, est ovationné, vous l'entendez, par les supporters. Oula, les jaunes ont fini depuis bien longtemps là. Pour l'instant, je jette un œil en même temps de l'autre côté avec les beaux arrêts d'Anthony Lopez, notamment devant Adrielson. Et c'est le Koumbédi qui arrive à marquer. On va rester encore un peu sur les deux groupes. Les jaunes ont quand même pris une belle avance maintenant. Et c'est fini. Ainsley Maitland-Niles pendant ce temps qui a raté la cible. Mais c'est pas grave parce qu'il l'a trouvé contre Brest à 80... Même pas 99e, 116e minute je crois. Je crois qu'il y avait 16 minutes d'arrêt de jeu contre Brest au moment où Ainsley Maitland-Niles a marqué sur pénalty. C'était bien ce jour-là où c'était important. Le pénalty toujours serein, l'anglais. Aïe, Ernest Nuama, lui, a raté. Allez, Mahamadou Diawara maintenant. Et c'est Daniel Noren qui va lui-même tenter de finir l'action. Très bon centre, ça. Très très bon centre. Le Sinali Diomandé, félicité par Jamal Alioui. Les supporters qui chantent encore et toujours. Ouh, splendide là Ernest Nuama, ça nous met la même samedi soir. On va être heureux. Malik Fofana, le centre est très bon. Et comme souvent quand le centre est très bon, la finition est bonne aussi. Là maintenant d'entraînement, de séance. Il restera certainement un dernier petit exercice pour les jaunes.
Alors que le groupe qui a joué, hein, qui a démarré le match contre Strasbourg, est également en train de se mettre en place pour un exercice supplémentaire. Si vous nous rejoignez sur la chaîne YouTube de l'OL ou sur OL Play, bien sûr, sachez que cette séance d'entraînement a débuté à 17h30. On vous la retransmet en direct. Et pour ceux qui n'ont pas pu se connecter avant, pas de panique. On vous la rediffuse sur OL Play, bien évidemment. Tout de suite après, on enchaîne. D'ailleurs, les tribunes se sont un petit peu remplies là, au fur et à mesure de la séance. Joël Batz était présent hein, sur cette séance, en tout cas au début. Il est parti là, mais avant de partir, il a tenu quand même à glisser encore un petit mot d'encouragement, notamment à Pierre Sage et à tout le staff. Là, on va avoir un petit jeu là, sur la gauche. Voilà, Mickaël Mouton, toujours réactif, qui vient nous filmer. Ce 6 contre 6 avec Paul Akuoku qui est joker, qui jouera toujours avec l'équipe qui a le ballon. Pour être en supériorité numérique systématique. Attention, ça va aller vite avec Henrique côté gauche. Voilà pour Malik Fofana. Malik Fofana contre Saïd Koumbédi. Il est passé. Il centre au deuxième poteau à Guy Torban. Alors, est-ce que le ballon était sorti? Même à l'entraînement, il y a beaucoup, beaucoup de discussions et de débats autour des décisions des arbitres, qui en l'occurrence sont les adjoints là. Oh, bien joué le contrôle orienté de Mamadou Baldé. Superbe. Ça rappelle ce qu'il a fait à Nantes. Pour offrir le but ensuite à Guy Torban en fin de match. Ernest Nuama pour Mamadou Diawara. On va repasser derrière. Alexandre Niles, Koumbédi maintenant. C'est bien joué. Et ça se termine par une frappe d'Ernest Nuama. Et le bel arrêt de Lucas Perry. Appelle les équipes, hein. Lovren, Demandé, Henrique, Mangala, Orban et Fofana contre Adrielson, Maitland-Niles, Koumbédi, Diawara, Nuama et Baldé. Avec Anthony Lopez bien sûr dans le but des jaunes et Lucas Perry dans celui des blancs. Et Paul Akuoku, joueur supplémentaire, joue avec l'équipe qui a le ballon. Saïd Koumbédi qui voulait choisir Ernest Nuama. Je ne sais pas s'il lui a donné trop fort ou si Nuama avait coupé sa course, mais en tout cas c'est une belle occasion de gâcher par les jaunes.
Oh, Malik Fofana, il y a penalty. Encore un penalty sur Malik Fofana normalement. C'est pas visiblement sifflé par le staff, mais ça méritait. Bon, en tout cas, il reste au sol. Bon, ça va, il se relève. Oh, bien joué, ça se contrôle. Il se retourne, Mamadou Diawara, et il termine. Ça fait 1-0 pour les jaunes. Orban qui a voulu répondre à Mamadou Diawara. Enrique, pied gauche, c'est contré. Et c'est surtout terminé en tout cas pour cette session-là. On va voir si Antonin de la Fonseca et Jamal Alioui vont lancer une dernière session. A priori oui, puisque les joueurs restent sur la pelouse. Ça déborde un tout petit peu par rapport au programme initial. Et c'est tant mieux parce qu'on est bien, on se régale, on est avec les joueurs. Une séance d'entraînement ouverte au public, c'est toujours très appréciable. Et surtout, avant cette échéance si importante, à 4 jours de la finale de la Coupe de France face au PSG à Lille. Je vous rappelle d'ailleurs que OL Play et la chaîne YouTube de l'OL seront en direct à partir de midi. Soyez avec nous à partir de midi. On se trompe pas, on va faire 12 heures de direct, midi jusqu'à minuit, voire plus s'il y a prolongation, s'il y a tir au but. Mais on fera au moins midi, minuit, samedi, sur OL Play, sur la chaîne YouTube de l'OL. Donc notez bien le rendez-vous, soyez avec nous parce que ça va partir fort, hein, dès midi. On vous expliquera tout ce qui s'est passé le matin avec la balade des garçons, la balade des filles. Vous aurez des images exclusives, des images que vous ne verrez nulle part ailleurs. Seulement sur OL Play, seulement sur la chaîne YouTube de l'OL, évidemment. Des coulisses, des insides. On va revenir sur cette saison de folie. Pour ceux qui étaient au stade, le jour du match OL Monaco, il y a une vidéo qui a été diffusée sur les écrans géants. Elle avait fait sensation, tout le monde l'avait trouvée exceptionnelle. Et bien sachez qu'elle sera encore mieux parce qu'on va l'agrémenter évidemment avec la fin de saison et on vous la diffusera samedi après-midi. Il faudra être avec nous donc dès midi et ne plus lâcher l'antenne jusqu'à minuit pour tout voir, pour tout savoir, pour ne rien rater. Là, la fin de séance des titulaires contre Strasbourg. Regardez encore un petit peu, peut-être, j'allais dire ce but d'Alexandre Lacazette, non, parce qu'il le garde pour samedi. La
Quentin Tohisso comme un gardien de hockey là. Ouais, le duel entre Adrielson et Gift Orban, c'était costaud, mais c'était dans les règles. C'est terminé par une frappe d'Orban contrée par Adrielson. On va revenir effectivement sur ce petit jeu avec Henrique. Fofana, toujours ce démarrage, voilà, ça n'a pas fonctionné cette fois, mais toujours ce démarrage particulier, ce coup de rein sur les 2-3 premiers appuis. Attention là, ouais. Mama Baldé, il a Ernest Nuama, il va tenter la frappe. Ça, la déviation de Mama Baldé. C'est le comédie qui n'a pas pu enchaîner. La frappe d'Henrique pied droit. Yannès Nuama là. Amadou Diawara qui va servir Mama Baldé pour finir. Et un nouveau but des jaunes. Les titulaires de Strasbourg sont de retour dans le rond central. Même à l'entraînement, il y a des petits gestes d'anti-jeu, on empêche l'équipe adverse de relancer vite.